est au chalet de Peter McLeod. Allô? Yo, yo, yo! Oh, c'est Kendall pis mon oncle Michel. On s'en va visiter la cabane des petits-enfants dans l'arbre. C'est vraiment nice, il y a un lit pis tout. Michel va nous ouvrir ça. Non, attendez, restez dans le bois. Oh, yo, voilà, salut, mais il vient d'ouvrir. Bon, ben c'est ça que j'aimerais faire ma sieste. On est juste à côté du chalet. Ça, c'est la belle cabane. Le saloon. Regarde le pain faire. C'est un vrai homme, si. Pas comme nous autres, on a Nintendo, là. J'aime des bois. Ben, un homme, ça sait travailler, là. C'est ça la différence. Nous autres, on sait plus travailler. Les jeunes, là, vous avez des affaires à faire. Ben, il y a des choses à apprendre de nous aussi, tu sais. Les temps ont changé. Kendalou, pop 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 pop. Kendalou, pop 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 pop. Kendalou, pop 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 pop. Cours, Roselyne. Cours, Roselyne. Vite, vite, cours, cours. Allô? Oh, 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 je suis le Père Noël. Non, oh, oh. As-tu peur? Allô? Oui, c'est pas de Père Noël. Si vous vous abonnez pas,
C'est ça que vous allez avoir. Kendo. Allô. Marie, allô. C'est sa fête aujourd'hui à Marie-Jeanne. Allô. Allô? T'es le bébé? Je veux filmer. Je veux filmer. Ça filme, hein? Coucou. Va montrer en haut. Eh ben là, je vais vous montrer en haut. Filme-moi avec mon chapeau. Girl. Ça, c'est Michel qui était déguisé en gueule. Ça, c'est Sam. Sam, dis allô. Yo, il l'a eu! Ah, mais Sam, il faisait du motocross quand il était jeune. Il en jumpait des affaires. Faut-tu réessayer, c'est tout. Ouais. Puis tu vas planter, c'est pas grave. Ah ouais, on fait une papa à Kendall. Let's go, Sammy, let's go! Hey, filme-nous, Michel, on va faire les pom-pom, girl. Comment ça? Tu dis, donne-moi. Demain. Non, tu dois dire donne-moi. Demain. Tu viens, on va aller se promener. Qu'est-ce que tu veux la faire courir? Allez, Kendalo! Go! Go! Vous avez-tu eu peur un peu? Marie. Souris. OK. OK, si vous avez déjà remarqué, on est au chalet de Peter en fin de semaine, Peter McLeod, puis c'est aussi la fête de Marie-Jeanne. Fait que là, c'est là, 7 ans, puis on va ouvrir les cadeaux. OK? Tiens, ça c'est de moi, Picasso, à toi. Merci, Taïlou. C'est plaisir, on monte ta feuille. Hein? Fait que regarde en arrière. T'as plein de surprises, mais tu vas pouvoir. Il y a de la slime là-dedans. Tu vas pouvoir l'habiller, ta poupée. Je pense que c'est de nous aussi. C'est de maman, mais écoute-moi bien. Tu vas en avoir un autre, mais là, ici, au magasin, il y avait rien. Il n'y a pas de magasin. Fait que. C'est un début. C'est un début de ton cadeau. Oh, t'as un jeu de cartes? Un jeu de chaussettes. Hey, c'est quoi ça? Un autre cadeau, celui-là, il est de qui? Celui-là, il est de moi, Picasso aussi. C'est ça. Ça, dans le fond, c'est un jeu comme que tu as joué. Mais c'est à toi, lui. C'est un jeu qu'il faut pas que les blocs tombent. C'est le fun, ça, ce jeu-là. Lui, c'est mon cadeau. C'est ta soeur qui t'a fait un beau cadeau. De Roselyne. Wow. Et Marie. Wow.
Bonne fête, Rijan. Bonne fête, Rijan. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, ma Rijan. Un dernier, ah oui, ah oui. C'est un. C'est quoi tes gâteaux? Chocolat, chocolat et princesse. Des princesses. Ah, il y a des princesses sur tous les gâteaux. Il est bon. Il y a des lutins et là-dessus. Lui, là, regarde. Blanche-Neige avec ses amis. C'est peut-être même pas rangé, mais on a tout rangé. Maman, je vais attends. Comme ça, ah oui. Salut. Hé, papa, le bain. Salut, maman. T'as dit que tu y fous dans le palais. Qu'est-ce que tu prends ça, maman? Qu'est-ce que tu prends? Il a comme fait une phase. C'est pas ta purée, ça. Ouais. Il a l'air d'être encore, encore. Allô? Allô? C'était un peu si où, lui, là? Allô? J'ai des shots de Pio. Gandal! T'es ma des Froclubs, t'es bien? Que dalle? C'est tranquille, la main des Froclubs? Hein? Pris la main dans le sac. Tu m'en donnes? C'est bon. Moi, ma jambe va lui dire. Ça me donne le mot. Ok. C'est clair, lui. Ok, je le vois. Ok, on te suit. C'est juste un début là. Il a fait froid cette nuit, hein. C'est super beau un matin. Pas de la neige. C'est super glissant. Ouais. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Aujourd'hui, c'est la neige. Regardez par terre, c'est vraiment beau. On m'a fait plein de vlogs. Abonnez-vous, on vous aime. Il nous manque un dodo, puis on s'en va. Ouais, faut qu'aujourd'hui, on va en profiter, puis on s'en va voir une ferme. Mm-hmm. Ouais, c'était la fête de Marie-Jeanne. On va peut-être avoir une autre apparition de gorille aujourd'hui, on sait pas. Vous savez-tu quoi? Abonnez-vous, on a fait plein de vlogs avec Sam et la famille Beaupré. Pas chaud, c'est pas chaud. On arrive à la ferme, les amigos! Hello! Le gros pito! Check it out. C'est pas le plus loin. Attention, il y a des roches, ma belle. Lève bien tes pieds. Un cheval. C'est pas mal beau. Il s'en va nous voir. Ah, Kendall, c'est une amie. Il s'en va te voir, Kendall. Allô? Bonjour. Allô, allô? Et le petit. Tout ça. La deuxième coupe en plus. Hey, Marco, il y a de l'île, elle t'a pas un grain. Ah, ok. Tu veux? Les cochons? Ouais, c'est vrai, il est plus rouge. Ouais, il est rouge. L'année passée, on avait des problèmes de pente, là. Ouais. Un peu plus, ils passaient pas à l'abattoir. Ouais. Ils ne prennent même pas à l'abattoir. Ah, cochon. Ils vont se gêner. Ils sont gênés. Ok, peut-être qu'il est plus chaud.
Est-ce que c'est des pizzas? On va te mettre dans la cabane. Bon, donc, il y avait une tablette. Il y avait des studios cochons. Faites mieux, madame. Allô? Ça, c'est les veaux, hein? Allô, allô? Alors, on va arrêter d'en élever, c'est pas payant. Ah, OK. C'est parce qu'on manque de points. Je me suis rajouté du point. Parce qu'elle est éclaircie, là, moi, ça nous donne, mais pas de bien plus en grande. D'élever tes points. Allez, t'inquiète pas, bébé. Tu fais un ami? Regarde, ma petite café. Ton coin, c'était pas le meilleur. Ton coin. C'est, il est meilleur, celle-là. Oh, oui. C'est elle qui se la mange. Elle a son cul, ce bâtard. Ça, c'est parce qu'elle doit manger les autres. Mini bisous, Kendall. Vous êtes curieuse? Oh! Comme ton gars, tu sais comment il est émerveillé. Mais c'est quoi ces choses? Ça, c'est des ados. Ça, c'est des ados. Là, maman, la fleur. Ah, hein? On filme la dégustation. Là. C'est du lait, des tables, tout neuf. Si vous n'aimez pas ça, vous l'achetez. Moi, j'en prendrai pas. Je sais ce que ça goûte. Mon père il a travaillé sur une ferme quand j'étais petite. Elle est difficile, elle est. J'ai l'impression que ça goûte la crème à café. Bon, hein? Ils boivent. C'est bon? C'est nous, tes talents. Oui, oui, doucement, là. Et voilà. Comment ça fait que la plotte, elle flotte pas? Elle est assez grosse pour. Il y a bien trop de bouche pour les gens qui vont te voir. Non, crain, crain, crain. Crain, là, jusqu'à temps que tu sois à. Les c'est le Willy. Ah. Bonjour monsieur, ça fait longtemps que vous avez votre permis. Yes. En tout cas, mec, tu prends tes cours, là, prends les manuels. Les cours, c'est technique. Là, on est en vie, on est en vie. La 27, tu connais. Faut pas t'aille bien plus que ça parce que même à 27 km/h, tu pourrais techniquement te mettre en 3 et tu sauverais de l'essence. Fait que moi puis Michel, on est revenu au spot de tantôt, mais mieux équipé, là. Elle nous a dit de prendre des bledins. Fait que j'ai laissé ma canne un peu là, dans l'eau, puis on a pogné ça. Une petite truite, je sais pas si c'est une truite d'arc-en-ciel, je pense que ouais. Elle est belle. Fait que là, on va essayer d'en pogner au moins un autre. Trois si on est capable, puis c'est ça, c'est une belle petite place, ça appartient à quelqu'un. La merci place beaucoup. Ici, ça appartient à la tante, à sa maman, dans le fond. Fait que c'est cool. J'ai baptisé mon poisson Ricky. Il me donne la misère. L'anneau est trop bien rentré. Ah, tu l'as, tu l'as. Tu sais. Rikiki. Où est mon pote, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, il va faire un plongeon. Je pense qu'on va faire, on va l'assaisonner puis tout. On va se vraiment le bouffer pour au souper ou au déjeuner, je sais pas. Petit setup paresseux. On attend.
C'est le même que je l'ai eu, Ricky. Ricky. On le gâte. On le fait bouffer. On veut le faire grossir. Son dernier repas. Non, mais c'est lui qui va devenir un repas après. Quoi? Il a enlevé l'hameçon. Ok, mais pogne-le vite. Non! Vite! Non! Non, il a échappé! Il l'avait. Il a fallu que tu le pognes sur le garage plus loin. C'est pas grave, on va en pogner. Michel vient d'en pogner un, puis il a en pogné deux de suite, tu sais. Ah, lui, il est gros, man. Il est gros? Oh, shit! Ah ouais, faut pas le perdre. Yeah! Ouais, dans le bac. Wow! Le mastodonte, mon Dieu. On en a trois. Ok, là, on va démêler les cannes à pêche. C'est moi qui ai pêché deux, man. Ouais. Ah ouais! Un mastodonte! Ouais. Dans le fond, moi, j'ai pogné le premier petit. Michel, il a pogné un semblable au mien. Puis, man, l'hameçon, il est dans la gorge. Puis, le gros, c'est Michel qui l'a pogné. Okay. On peut les enlever du bord? Ouais, on veut pas qu'ils ressortent d'en haut. On a échappé un. Ton troisième. Il est gros, hein. Faut déposer ma canne. Là. Il est beau, lui. Shit, il y a encore. Oh, shit. Oh, attention, l'hameçon, pas te le mettre dans le pouce. Oh, c'est des os, je sais. Ok, ça se trouve, t'as tombé. J'ai cassé des os, je suis sûr, Sam. Mais j'ai plus mon troisième poison, il est huge. On n'arrivait même pas à le mettre. Je l'ai chopé, mais comme un barbare, frère. Il est gros qui est là. Man, je lui ai cassé des os, man. Il allait s'échapper, j'ai pilé dessus, man. J'ai cassé des os, je suis sûr. Non! Laisse pas, papa! Vraiment, il coupe à la tête. Paul, il est en train de nous aider là, pour les ouvrir. Pis tout. Ah, ben, il est pas mal en train de le faire, tu sais. Badabado! Tu veux-tu mettre ton doigt dans sa bouche? Non! Pas snap, ça, il paraît. Pauvre gros poisson! Est-ce que c'est lui que j'ai écrabillé? Ça va prendre de l'eau pour essayer les cartes. Bon, fait que là, c'est rendu l'heure du souper, fait que... Michel, il a tout assaisonné les poissons. C'est le poivre avec une petite épice, là, à poisson chouette. Poudre de curry. Poudre de curry, curry, power. Dans les jambes. On va mettre ça sur le barbecue. Ça va être parfait. On va dire si c'est bon ou pas. Fraîchement pêché. Bien emballé. Ça, c'était Sniper. On a tous donné des noms, hein. C'était quoi les noms? Ricky, Sniper, Extrême et Pêcheur. Allez! On a mis nos poissons au barbecue. On va revenir un peu plus tard. C'est pas loin, hein. C'est proche du chalet. Ouais. C'était beau. Coucou. On vient de manger nos poissons, moi puis Michel. C'était vraiment bon. C'était trop bon. Il y avait 4 truites, il y avait 2 plus grosses. Là, on est chez bord du feu tranquille. C'est notre dernière soirée ici, là. Bisous. Oubliez pas, la gang, là, lâchez des likes, puis abonnez-vous. Tu sais, c'est Peter McCloud, Peter guys. Peter McCloud. Mon background. Allô, tout le monde, abonnez-vous. Aujourd'hui, c'était la dernière journée au chalet. C'est Peter McCloud. Avec Peter McCloud. Pas avec, mais c'est le chalet. Peter, il était pas là. Peter McCloud est parti. On a pris des vacances. On a pris des vacances dans son chalet. Peter, c'était notre dernière journée. On s'en va, on a préparé toutes nos valises. On vous dit, abonnez-vous, on vous aime, envoyez les pouces bleus. Regardez le beau feu, il est trop bon, hein. Il mouille, hein? Il mouille. C'est que de la pluie. Tu fais ton sucre, tu vas fondre. J'espère que vous avez aimé le petit montage que j'ai fait au chalet de Pete. C'était vraiment cool. On est arrivé vendredi, puis on est rendu mardi. Fait que c'est comme notre 5e journée, mais on t'avait dit s'en aller. C'était vraiment le fun. Le spa, faire des petits feux. Faire des activités avec les enfants, la petite cabane dans le bois. Hier, on est allé visiter une petite ferme à côté. Ça faisait partie de la famille à Jasmine, qui est ma belle-mère. On a pêché, moi puis Michel. On n'est pas resté assez longtemps, tant qu'à moi, on aurait dû rester un mois ici. On est bien en maudit. Merci beaucoup à Peter McCloud pour avoir loué le chalet. Je sais pas s'il loue à n'importe qui, mais on a eu la chance...
de séjourner ici. Pour finir ça en beauté, je vais faire un petit montage, je vais faire un petit tour du chalet. Aujourd'hui, il pleut, mais il a fait beau tous les jours qu'on était ici, puis aujourd'hui, on quitte. Fait que, on a eu du beau temps, on s'est amusé en masse. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous êtes nouveau à notre chaîne, on essaie de se partir sur YouTube. C'est comme mon hobby, là, je fais des petites vidéos, puis c'est comme ma petite passion on the side, là. Mais c'est ça, abonnez-vous, laissez des likes, partagez ça, on va être connus, là. Faites partager ça en masse. Alors, on est venu dire un petit au revoir à la belle cabane. Paul, mon beau-père, il a fait une petite sieste dedans. On va aller vous la montrer pour une dernière fois. Vous avez la belle vue du chalet au complet. Ici, ça, c'est des stands de tir à l'arc. Le chalet. Le garage. C'est vraiment super. Le saloon. Le saloon, c'est fait pour faire des petites siestes ou pour envoyer tes enfants quand tu veux un break. Okay. C'est écrit ici, la famille Beaupré s'ennuie ici. Ça sécurise ici. S'ennuie. La famille Beaupré s'ennuie ici. Il nous avait écrit un beau message pour la fête à Marie-Jeanne. Il avait écrit bonne fête. Alors, on est sur le point de partir. C'est triste. J'avais envie de protester et de m'attacher sur le bord du feu, mais on va retourner à la réalité. C'est la vie. On va faire un petit tour, là. Ouais, c'est comme si ce serait un rêve. Ici, là. Tous les matins, on faisait cuire une livre de bacon. Rien à foutre. Fait que là, on va faire un petit tour du chalet avant de partir pour être sûr qu'on n'a rien manqué. Ici, on a le tir à l'arc qui est en face du chalet. On n'avait pas d'arc, mais un peu plus loin, là, sur le chemin. Je sais pas si je l'ai sur vidéo, là. Je vais voir plus tard. Il y a une cache pour la chasse. Une petite cabane dans les heures. Puis, à notre arrivée, moi puis Michel, ben on avait vu ben des bambis là, des bébés chevrettes. Ici, il y a le côté du chalet, le beau spa, le feu qui est juste ici, c'est super cool. Fait que, tu sais, le spa en plus, il y a un petit toit, fait qu'aujourd'hui, on en a profité un peu avant de quitter. J'ai pas tenté un petit jump en plus pendant le week-end. Michel l'a essayé, ben, il s'est fait mal. Je l'ai fait quoi, deux fois, deux, trois fois. Je me suis pas fait mal, mais ça aurait pu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de jump. Oui, je me suis mis un coup de hache dans la jambe. Ouais, c'est vrai. On a bûché du bois pour le feu. Puis Michel, il s'est foutu un coup de hache dans la jambe. Ici, là, ça ressemble à une bécosse, mais regardez, c'est un fumoir. C'est un fumoir. Pour fumer. Oui, pour fumer ton poisson, tes choses. On n'a pas eu le temps vraiment d'essayer parce qu'on a pêché hier soir, on les a fait sur le barbecue. C'était vraiment ouais, bon. Ça, c'est moi aussi. Fait qu'on est en train de pacter tout, on s'en va. Ouais, on s'en va chez nous avec la musique. J'ai conduit. Mmh. Ouais. Donc, c'est l'heure de partir. Ouais. Mmh. La cuisine. Allô. Ouais, c'est moi avec Kassou. Il n'y a pas beaucoup de lumière, là, mais on a tout lavé, tout fermé avant de quitter.